je veux pas faire une espèce de bande de démo CV dans laquelle je montre des films dans lesquels j'étais content de jouer, etc., parce que ça ne correspondra pas à ce que vous cherchez. Bon, néanmoins, là vous avez Indigène, là vous avez Hors la loi, là vous avez La French, et là vous avez les restes d'une bande démo que j'ai faite en 2014. Il était temps que j'en fasse une autre. J'aurais pu aussi montrer des images d'un village français dans lequel je jouais en scène. J'imagine qu'en fait, si vous voulez voir cette bande démo, c'est parce que vous pensez possiblement à moi pour jouer un... Monsieur Cazalet, pouvez-vous nous dire pourquoi nous avons retrouvé vos empreintes papillaires ainsi que votre ADN sur le montant d'une fenêtre par laquelle une fillette a été enlevée, s'il vous plaît? Il doit y avoir une erreur, là, vous vérifiez. Non, monsieur Cazalet, on a vérifié grâce à vos empreintes digitales, grâce à votre ADN, test auquel vous êtes soumis d'ailleurs de plein gré dès votre arrivée, et il n'y a pas d'erreur possible. D'accord. Non, j'ai compris. Ouais, quand j'ai ramené ma cliente chez elle de l'aéroport, elle n'avait pas de monnaie sur elle. Elle m'a demandé si je pouvais la suivre chez elle pour qu'elle me donne la monnaie. Bon, moi j'avais marre d'être assis, on avait discuté, elle était sympathique, j'ai pas le droit de le faire normalement. Mais bon. Donc je suis rentré chez elle pour qu'elle me donne la monnaie. Et je lui ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Donc j'y suis allé, et puis en passant comme ça, j'ai vu une fenêtre, j'étais sûr que c'était une Luminov. Parce que avant de bosser comme taxi, j'avais bossé dans une boîte qui vendait des fenêtres dans toute la France. Et vous êtes entré chez votre cliente. Mais il est arrivé quelque chose à la petite, c'est ça? Pourquoi vous n'avez pas évoqué ces faits lors du dernier interrogatoire? Et si je ne vous l'ai pas dit, c'est parce qu'au moment où vous l'avez demandé, je ne pensais pas que c'était important. Je ne pensais pas que c'était important, je ne comprends rien à cette histoire. Je ne savais pas que c'était important de dire que j'étais allé aux chiottes ou que j'avais touché une fenêtre entrouverte. Bon, excusez-moi. En fait, je ne suis pas du tout monsieur Cazalet, je ne suis pas chauffeur de taxi et j'ai jamais travaillé dans une boîte qui vend des fenêtres. En fait, je suis comédien. Oui, je m'appelle Bernard Blancan, voilà. Et j'ai juste cherché l'occasion de faire une bande démo. Non, alors celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Hein. Non, c'est vrai, vous avez une caméra là, juste au-dessus de vous. Oui, c'est pour mon agent, en fait. Vous n'avez pas vu à la télé dernièrement dans un truc... attendez, c'était... Meurtre à Perpignan. C'était meurtre à Carcassonne. Ouais. J'étais le... l'assassin. Là. Je joue souvent les suspects et les assassins. Ah ouais. C'est pas facile. Hein. Bon, enfin, n'empêche que... il faut savoir que notre mission, c'est pas de faire passer des bandes démos aux comédiens, d'accord? Non, je vous le dis comme ça, quoi.